بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين. شيخ خير شيخ سير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Il y a quelques semaines, nous attendions l'arrivée du mois de Ramadan. La semaine dernière, on vivait les premiers jours du mois de Ramadan. Et aujourd'hui, c'est le premier tiers qui est parti. Le premier tiers du Ramadan est parti. C'est dire à quelle vitesse le temps passe vite. Comme le disait celui qui disait « Kullu atin qarib ». Tout ce qui est attendu, tout ce qui doit venir est proche. Ça va très vite. On était en train, il y a quelques semaines, de prendre des résolutions par rapport à Ramadan. À se dire ou à nous dire que, Inch'Allah, ce mois de Ramadan, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et Ramadan est là. Et j'ai même envie de dire que Ramadan commence à partir. Parce qu'une semaine après, 10 jours après, on sera en train de parler des derniers jours du mois de Ramadan. Ça va très vite. Et depuis le début du mois de Ramadan, est-ce que vous savez qu'il y a déjà des affranchis? Est-ce que vous savez qu'il y a déjà des gens qui sont inscrits parmi les gens du paradis pendant ces jours qui se sont écoulés? Est-ce que vous savez qu'il y a déjà des gens qui sont pardonnés, des gens à qui Allah a interdit d'aller en enfer? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens pour lesquels tous leurs péchés ont été effacés durant ces 10 premiers jours du mois de Ramadan? Ce ne sont pas que des paroles vaines, mes frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que chaque nuit, à chaque nuit du mois de Ramadan, depuis la première nuit jusqu'à la dernière, il y a un très grand nombre de gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner. Et cela chaque soir, chaque nuit de Ramadan. Et on a déjà vécu 11 nuits de Ramadan. 11 nuits. 11 nuits se sont écoulées. Et pendant ces 11 nuits, il y a un très grand nombre de gens qui sont déjà pardonnés. Ça, c'est la grandeur de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la question maintenant, c'est de savoir... Est-ce que toi qui me suis maintenant, moi qui te parle et vous qui suivez, est-ce qu'on figure parmi ces gens qui sont pardonnés, qui sont affranchis? Est-ce que nous figurons parmi les gens qui sont rentrés dans cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala lors de ces premières nuits? Parce qu'en réalité, al-insanu ala nafsihi basira. Chacun de nous sait ce qu'il a fait. Chacun de nous sait ce qu'il a accompli depuis le début du mois de Ramadan. En termes d'adoration, en termes de bonnes actions, en termes de bonnes œuvres, en termes d'invocation et d'évocation, en termes de lecture du Coran, en termes de sadaqa, d'aumône, en termes d'utilité vis-à-vis des autres qui ont besoin de nous. Chacun de nous sait ce qu'il a fait jusque-là. Et en fonction de ce que chacun de nous a accompli
pendant ces 10 premières nuits, on peut avoir, si vous voulez, l'espoir en fonction de la qualité de ce que nous avons fait. Parce que oui, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Il nous demande de faire des œuvres. Il nous demande d'œuvrer, de travailler, de l'adorer. Et il acceptera, il jugera, il appréciera ce que nous aurons fait. Par contre, nous devons être au courant de la valeur de ce que nous avons fait jusque-là. Parce que la seule chose qu'il nous demande, c'est de faire quelque chose rien que pour lui. Alors, les prières de nuit que tu fais, si tu en fais, est-ce qu'il y a une part de sincérité? Est-ce que tu le fais pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne et efface tes péchés? Tu dois le savoir. Pourquoi tu le fais, si tu le fais? Alors, si tu ne le fais pas, il est encore temps. Il est encore temps, puisque nous y sommes. Nous vivons encore Ramadan. Et on peut encore rattraper. Si nous ne figurons pas parmi les très nombreuses personnes qui sont pardonnées et affranchies, qui sont définitivement, si vous voulez, inscrites sur la liste de ceux qui vont accéder au paradis lors des premières nuits, lors des premiers jours, lors du premier tiers de Ramadan, nous avons encore deux tiers devant nous. Alors, vous allez me dire, comment on peut savoir si on est pardonné? Mais c'est tes actes, ce sont tes œuvres et la qualité de ces dernières qui vont définir les choses. Tu as prié? Très bien. La part de sincérité dans ta prière, à toi de l'évaluer. Tu as jeûné? Très bien. La part de sincérité dans ton jeûne. Tu as fait de l'aumône, tu as donné ta zakat, tu as aidé des démunis, des gens qui sont dans le besoin. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous participent à des opérations de ce qu'on appelle de rupture de jeûne, de ftour. Beaucoup d'entre nous. Mais la pièce centrale, l'élément central de toutes ces actions que nous menons, c'est la part de sincérité. Si cette sincérité elle est au rendez-vous, eh bien, il n'y a pas de raison de ne pas espérer de faire partie de ceux qui sont déjà affranchis. Et oui, lors de ce premier tiers qui vient de s'écouler, un très grand nombre de personnes sont affranchies, sont pardonnées. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le dit. Il a des affranchis tous les soirs, du premier jour de Ramadan jusqu'au dernier jour. Si tu n'as pas pu faire quelque chose hier, tu as aujourd'hui. Si tu n'as pas pu faire quelque chose lors de ce premier tiers, tu as encore deux tiers. Si Allah subhanahu wa ta'ala te prête encore longue vie et te permette de le vivre. Mais il ne faut pas trop espérer, il ne faut pas trop reporter les choses. Ce que tu peux faire maintenant pour ton salut au-delà, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Donc je disais que le premier tiers, il est parti comme ça. Très rapidement. Il y a encore des gens parmi nous qui n'ont pas pris ou ne prennent pas conscience de cette chance qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de cette opportunité qu'Allah nous a tendue. Parce qu'au final, Allah nous tend ces occasions, c'est pour nous faire miséricorde. On en a parlé longuement. Allah ne nous a pas créés pour nous châtier. Allah ne nous a pas créés pour nous faire du mal. La règle, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la situation de déviation, de dépravation, de péché dans laquelle vous êtes,
il peut vous pardonner en un instant, en une seconde, si vous êtes à la hauteur et si vous faites ce qu'il faut faire pour vous faire pardonner. La règle, c'est la miséricorde chez lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas que ça. Il y a sa colère. S'il a créé l'enfer, ce n'est pas pour rien. C'est pour que certaines personnes qui auront choisi et qui auront voulu y séjourner, y séjournent. Mais ce n'est pas la règle. La règle, c'est le pardon, c'est la miséricorde d'Allah. C'est pour cela qu'il nous tend des occasions, comme celle-ci. Alors qu'il nous dit que tout au long de l'année, toutes les nuits, il descend, il se rapproche encore davantage de nous et il appelle. Qui a commis des péchés et qui est dans le regret? Qui demande, qui veut que je le pardonne? Je suis là, je vais le pardonner. Allez. Qui a un besoin pour, et qui me demande, je vais le satisfaire. Je vais satisfaire son besoin. Qui veut se repentir? Qui veut revenir vers moi? Toutes les nuits, tous les jours de l'année, il le fait. Et encore plus pendant ce mois de Ramadan. Encore plus pendant ce mois de Ramadan. Croyez-moi, Wallahi l'Azim, Wallahi l'Azim, Thumma Wallahi l'Azim. Celui qui ne se voit pas pardonner pendant ce mois de Ramadan aura laissé lui échapper une très belle occasion pour se faire pardonner. Allah, il pardonne en tout temps, en tout moment. Mais encore là, son pardon fait preuve d'immensité et de grandeur. C'est l'occasion ou jamais de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala à travers des actes, de maigres actions à travers lesquelles il va nous pardonner. Il nous demande d'œuvrer. Il sait que nous sommes faibles. Il sait que nous ne serons jamais à la hauteur. Mais le peu d'effort montre à Allah une part de sincérité chez toi, dans ton quotidien. Montre à Allah que tu veux te faire pardonner. Montre à Allah, fais un pas vers lui. Et il nous dit, celui qui vient vers lui en marchant, il vient vers lui en se pressant. Et celui qui vient vers Allah en se pressant, Allah vient vers lui en courant. C'est la base, c'est la règle. Allah nous aime, Allah nous aime, c'est pour cela. Il nous veut du bien. Yuridullahu bikumul yusra. Allah vous veut de la facilité, du bien, de la miséricorde. Il n'est pas intelligent, il n'est pas raisonnable et il n'est pas censé que l'on se détourne, que l'on laisse filer cette occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous tend. Donc je le disais encore une fois, un tiers est déjà parti. Dans 10 jours, dans 15 jours, on sera là, inshallah, si Allah nous prête longue vie, à parler de l'après-Ramadan. Et il y aura des gens parmi nous, certainement, pour lesquels ce sera le dernier Ramadan de leur vie. Soit ils ne seront plus parmi nous, ils seront déjà décédés, et oui, admettons-le, puisque c'est une réalité, Combien de personnes que vous connaissiez, qui étaient parmi nous l'année dernière, qui vivaient Ramadan avec nous l'année dernière, ils ne sont plus là. Et je pense que chacun de nous a une connaissance, un proche, un ami, un voisin, en tout cas quelqu'un qu'il connaît, qui était parmi nous l'année dernière, qui n'est plus là. C'est la règle. Et c'est comme ça, l'année prochaine,
il y aura des gens parmi nous, peut-être moi, peut-être toi qui me suis, qui ne sera plus là. C'est peut-être le dernier Ramadan. C'est peut-être le dernier Ramadan, admettons-le. Donc, l'intelligence, c'est qui? Le sensé, c'est qui? C'est celui qui va vivre ce Ramadan comme si c'était son dernier Ramadan. Il est dans cet état d'esprit. Il donne tout. Il se donne à fond pour que, s'il s'avère que c'est le dernier Ramadan que tu vas vivre, que je vais vivre, que ce soit au moins le Ramadan à travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné tous nos péchés. Parce que nous en avons. Nous en avons des péchés. Hein. Celui qui prétend ne pas avoir des péchés, celui qui prétend n'a pas grand chose à se faire pardonner, il se leurre. Parce que nous sommes de nature à commettre des péchés. Kullu ibn Adam khata. Tout fils d'Adam est caractérisé par le fait de faire des erreurs. Nous allons faire des erreurs. Tu vas faire des erreurs. Tu vas faire des erreurs vis-à-vis d'Allah. Tu vas faire des erreurs vis-à-vis des autres. C'est pas ça. Il n'est pas là le problème. Puisque nous y sommes confrontés. Le problème, c'est quand on considère qu'on n'a pas à se faire pardonner, on n'a pas commis grand chose, on n'est pas fautif, on n'a pas... Il est là le problème. Avoir cette prétention, avoir cette assurance, c'est aller au-delà de là où on devrait être. Tout le temps. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala appelle les croyants? Et écoutez bien, quand Allah appelle les croyants, il appelle des croyants qui sont sincères. Quand Allah témoigne que tel ou tel individu ou tel groupe est croyant, c'est qu'ils le sont vraiment. Mais il appelle les croyants, les vrais croyants, au repentir. Écoutez le Coran. Qu'est-ce qu'il nous dit le Coran ? وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ Il s'adresse aux mu'mines, aux croyants, celui qui porte en lui ce qu'il attend de lui en termes de croyance, en termes de aqida. Il ne parle pas de ce... De l'étape qui se trouve en dessous l'islam. Il ne parle pas des musulmans, il parle des croyants, et des croyants sincères. Il les appelle à se repentir et à revenir permanemment vers lui par le fait de demander pardon. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Et si ceux qui sont caractérisés par la croyance et qu'Allah les appelle par ce nom ont été appelés à revenir vers lui, c'est pas toi, musulman lambda, qui est loin. C'est pas moi qui suis très loin de ces caractéristiques qui vais prétendre ne pas avoir grand-chose à me faire pardonner. Et le pardon passe par l'obéissance. Le pardon passe par les œuvres. Il faut travailler. Œuvrer, œuvrant. Dans le bon sens, c'est à travers ces œuvres-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fera miséricorde. Pour terminer, encore une fois, je mets un accent particulier. On n'a pas vu ces 10 premiers jours passer, ce premier tiers, tellement qu'il est passé vite. Mais ça y est. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui sont déjà affranchis, ceux qui sont déjà pardonnés. C'est ce que nous demandons. Si ce n'est pas le cas, donnons-nous à 100%. À 100%, on n'a jamais cette assurance-là. Œuvrons, œuvrons. Et plus les jours passent, plus on devrait encore fournir plus d'efforts. Fournir davantage d'efforts, que ce soit dans les prières. Il ne faudrait pas qu'une soirée passe sans que tu n'aies fait
des prières la nuit. 2 raka'at, 4 raka'at. Les mosquées sont fermées, d'accord. Il n'y a pas de prière en groupe, d'accord. Mais tu peux faire quelque chose à la maison. Ne laisse pas filer une seule soirée, une seule nuit du Ramadan sans que tu n'aies fait au moins 2, 4, 6, 8, 8 raka'at. Ne laisse pas une seule journée passer sans que tu n'aies été en contact avec le Coran, la lecture du Coran, les invocations, le zikr, j'en passe. Et si tu peux faire de chacune de tes journées caractérisées par une sadaqa, c'est encore bien. Chacun en fonction de ses moyens. Si tu peux donner que 1 euro tous les jours, tâche à le faire. Si tu peux donner 5 euros, 10 euros, 20 euros, et ainsi de suite. Chaque jour, planifie-toi, organise-toi, diversifie tes actes d'adoration. On ne sait jamais à travers quel acte Allah subhanahu wa ta'ala nous fera miséricorde. Puisque c'est ce que nous recherchons. C'est ce que nous cherchons à travers nos prières, le jeûne, la récitation, la lecture du Coran. Et oui, c'est peut-être à travers ta récitation du Coran qu'Allah va te pardonner. C'est peut-être à travers ton aumône. C'est peut-être à travers la prière, les prières nocturnes. Évalue ta part de sincérité, œuvre et évalue ta part de sincérité et inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais, jamais, jamais faillir aux engagements qu'il a pris vis-à-vis de nous. C'est quoi cet engagement? C'est si nous sommes à la hauteur, si nous demandons pardon et que nous sommes sincères, Allah subhanahu wa ta'ala, il est certes le pardonneur. Il n'y a pas de doute à avoir sur cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'il nous permette de vivre pleinement ce mois de Ramadan, qu'il nous fasse partie de ceux qui sont déjà affranchis, et si ce n'est pas le cas, qu'il nous permette d'œuvrer afin qu'il nous pardonne et que nous soyons affranchis de manière définitive de sa colère, du châtiment, et que nous soyons parmi les gens du paradis, inshallah. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين